Bonjour, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Painting et Point de Croix. Comment allez-vous? Aujourd'hui, je vous fais le déballage d'une pièce de Dreamer Designs. Et il s'agit de Waterside Tea, une 80 par 60. Puis, si je me souviens bien, c'est avec des diamants carrés. Alors, on ne peut plus être sûr avec du Dreamer Design parce qu'à ce temps, ils font des diamants ronds. Aussi. Et tout. Alors. Ah. OK. Alors, on va sortir ça ici. OK, tout. Bon. Alors, comme d'habitude, Dreamer Design, ça vient dans un sac ici, en genre de tissu. D'abord, on a le toolkit qui vient dans un sac comme... attendez, je vais vous rapprocher un petit peu, comme ça. Bon, dans un sac comme un genre de feutre. C'est pas du feutre, c'est du comme du velours, en fait. Alors, et dans le toolkit, vous avez... attendez, oups. Vous avez, excusez, je vais aller chercher ce que j'ai échappé à terre. Bon. Alors, vous avez des petits sacs dans un sac, un petit sac en plastique, deux petits plateaux avec le logo de Dreamer Design, deux squishies, deux plateaux de cire, dont un qui s'est défait, un qui s'est déroulé, OK. Vous avez une paire de pinces pointues, OK. Avec le logo de Dreamer Designs. Vous avez deux crayons, dont un avec un embout en plastique ici. Pour le placeur. Et ici, vous avez un multiplaceur de 3, un multiplaceur de 7 et un séparateur pour séparer les perles. Les diamants, quand on trouve qu'ils ne sont pas drettes assez, qu'ils ne sont pas assez drettes, comme on dit. Alors, je vais tout remettre ça là-dedans. Comme ça. Ça ici. Ça ici. Et ça ici. Et je vais resserrer ça. Boutineux comme il y avait. Bon. Et là... on a la toile qui vient avec un beau petit ruban mauve. Et on a les diamants. Alors ça, je vais mettre ça de côté. Et j'arrive dans deux sacs. Comme ça. Regardez les couleurs. Alors, je vais enlever le ruban. Et on va mettre ça à côté. Ici. Et on va regarder la toile. D'abord, je vais la rouler dans le sens inverse. Alors, vous voyez, Dreamer Design, c'est une toile de belle qualité. Elle est épaisse. Elle est plus plastique, disons, que d'autres compagnies que je nommerai pas. Puis, elle est surjetée autour pour être sûre de... il y a comme des picots, là, regardez. Pour empêcher que ça se défasse. OK. Dans la toile... OK, je vais enlever ça tout de suite. On a... des instructions...
Puis, la façon de rejoindre Dreamer Designs sur leurs réseaux sociaux. Ensuite, on a une bande avec les étiquettes qui ne sont pas déjà précoupées. Wow! Regardez, 75 couleurs. 75 couleurs. 3AB, donc 3AB. C'est OK, 75 couleurs. Aïe! Comme on dit, ils ne vont pas avec le dos de la cuillère. Hein? Parlez-moi de ça. Ça vient avec ça vient sur un rouleau en polystyrène. En tout cas, je ne sais pas. OK! Je ne sais pas en quoi, mais ça vient sur un rouleau. Alors, je vais le rouler de l'autre côté un petit peu. Excusez, je vous accroche. Wow! 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 Attendez, je vous mets plus loin. Regardez. Regardez, c'est les belles. Wow! Alors, si on regarde les symboles, je vais vous rapprocher. Même un petit peu plus. Bon. Je vous laisse regarder. Si, c'est-tu parce que... Attendez. Ah, c'est parce que la chose n'est pas collée comme pour... Okay. Ouais, si vous voyez, à un moment donné, c'est parce que c'est le plastique qui n'est pas collé comme faut. Parce que si j'enlève le plastique, regardez, tout est très, très clair. Et regardez. C'est juste parce que le plastique, il fait comme des... OK, on regarde, puis comme four. On a des blocs de couleurs ici, mais c'est quand même assez confetti. Je les amène un petit peu. Ben, moi, je vois pas de problème avec les symboles. En voyez-vous des problèmes avec les symboles? Moi, j'en vois pas. Bon, ce qui est spécial avec Dreamer Design, c'est qu'on a toujours comme une ligne autour où il n'y a pas de symbole, mais il y a l'impression du dessin. Et ça, c'est pour donner une chance quand on fait l'encadrement. Comme ça, ben, quand on fait l'encadrement, on n'est pas obligé d'encadrer par-dessus les diamants pour être sûr qu'on n'a pas de blanc. Comme ça, ben, on peut encadrer juste un petit peu, dépasser les diamants, puis ça paraîtra pas fou parce que ça va être l'image qui va se continuer. Ben, écoutez, moi, je regarde, là. Je vous montre tranquillement. Ben, est-ce que vous pensez que les symboles sont pas clairs? Moi, je les trouve super clairs. OK, puis ça, c'est la maison ici. OK. Là, je regardais un petit peu. Les AB, c'est ce symbole-là, ce symbole-là, puis ce symbole-là. Le O, j'essaie de voir le T. Le T, c'est du vert. Où est-ce que j'en aurais? OK, du T, on en voit ici, là. Et qu'il y en a un petit peu partout dans les... dans les feuillages. Le O, c'est du blanc. Puis le AB34, ça doit être là-dedans. Non. Attendez, c'est un rond. Où est-ce que ça serait? Ah, ici. Attendez. Ici. Ici, on en a. On en a ailleurs, OK. Puis le blanc, c'est le O. Ah, le haut, regardez, on en a ici.
Ça, c'est dans la table ici, là. Alors, on en a aussi dans l'eau ici. On en a dans la maison. Oui, on en a dans la maison aussi. Bon, on va regarder les couleurs. Attendez, je vais remettre dans le trépied. Alors, vraiment superbe. Soixante-quinze couleurs, vraiment, là, une épate. OK. Là, je vois tout de suite les trois AB. Le blanc, le rose ici, puis le vert. Et des diamants carrés. Et on va regarder, je vais essayer de trouver la première bande. Ça, c'est 26. Ça, c'est pour la première. OK, ça, c'est la première bande. Alors. Allez. Oups. OK. Là, j'ai échappé quoi? Ouais. Encore. Non, je vous accroche tout le temps. Bon, alors. Bon, je dis pas le jeu. Du beau mot. C'est tout ce qu'il y a de 310. Du gris, deux sacs, un autre gris, là, ok, est-ce qu'on a, ça c'est 54, on va mettre là-dedans, ce gris-là, on en a deux. 413. 414, on en a deux. Un autre gris. 437. 7. Alors, si je cherche... On a 2, 470, 472, on en a 2, 498, on n'en a pas beaucoup, 518, 519, 554, ça c'est le numéro 25, si on cherche... numéro 26, 648, 666, 699, 31, 702, 704, c'est sûr qu'on a beaucoup de verre, 740, on n'en a pas beaucoup, 741, on n'en a pas beaucoup, ensuite on continue avec... 742, 743, 762. Oh, j'aime ce verre-là. 772, 775, 92, 801, 831, 832, 904.
d'eau de verre. Un bleu gris. Le 134, on en a deux. Le 136, on en a deux, d'eau de verre. Le 138, on en a deux. On était rendu numéro 52. Oh, le beau rose. D'eau de verre. 33,71, 36,85, 87,88. D'autres roses corail plus 37,06. Alors, 0,8. Oui. Belle couleur. Oh, très belle couleur. 37,99. Charcoal. 38,03. 36. 38,60. 61. 38,66. Et finalement, les trois que je vous ai montrés à l'écran pour les AB. Alors, eh bien, on va essayer de... Avez-vous remarqué, c'est plus facile de sortir des sacs que de les remettre dans les sacs. Alors, je vous remontre la toile. Attendez. Comme ça. Alors, c'est Waterside D. OK, je ne vous ai pas dit c'était de quel artiste. C'est de... Bigelow Illustration, un 80 par 60 avec des diamants carrés de Dreamer Designs. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce déballage. Si vous avez des commentaires, suggestions, je vous en prie, faites-le. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Un thumbs up, ça m'aide toujours. Alors, je vous dis à la prochaine.